Paguille-SCE. Promo 2001, premier stage à Barcelone pendant 2 mois. Derrière, je suis parti 6 mois en Erasmus à Madrid. Ensuite, j'ai terminé par 2 stages de 6 mois. Donc, j'ai fait un premier stage à Los Angeles chez un fabricant de vélo. Et derrière, 6 mois de stage de fin de cursus à New York, dans une boîte de téléphonie, télécommunication. Les langues, évidemment, parce que ça m'a permis de sortir avec 2 langues où je dirais que j'étais quasiment, que je maîtrisais, on va dire, je vais pas dire jusqu'à bilingue, mais je suis sorti de l'ESCE avec 2 langues supplémentaires. Les expériences, que ce soit en tant que stagiaire ou échange Erasmus à l'étranger, t'apportent aussi énormément d'ouverture d'esprit. Donc je pense que c'est important pour attaquer l'avenir. Ça te permet d'être plus tolérant, d'être capable de t'insérer dans de nouvelles cultures, d'être à l'écoute des gens. On avait mis en place à l'époque où terminer les tours, si je dis pas de bêtises, ça devait être au pied de la tour SFR qui avait été construite après le pôle et au pied du quai de laquelle ils avaient mis 1 ou 2 boulodromes, si je me souviens bien. Et voilà, on avait lancé une association pétanque. Donc on passait nos jeudis après-midi à jouer à la pétanque devant l'école. J'ai démarré en tant que responsable de zone export chez Pou Blanc, qui est une société qui fabrique de la matière première pour abat-jour. Ensuite, je suis rentré chez Hutchinson qui est la branche caoutchouc de Total. Là, je suis rentré en tant que responsable de zone export aussi. Et puis après, je suis passé directeur export. Donc, j'y suis resté au Total pendant 6 ans. Démissionné de chez Total en 2009 pour prendre mon sac à dos, partir en voyage autour du monde. Ce qui m'a permis de finalement me retrouver en Indonésie, créer ma boîte, créer une famille ici. À mes 30 ans, j'ai décidé de démissionner avec ma future femme, avec qui je suis marié aujourd'hui. Donc on a tous les deux démissionné et on est parti en voyage autour du monde pendant 20 mois. Et voilà, on a tout plaqué, sur Paris. On a pris notre sac à dos, on est parti autour du monde, dans l'optique aussi, pour ma part personnellement, de effectivement regarder un peu les opportunités professionnelles qu'il pouvait y avoir à l'étranger. En arrivant ici en 2011, j'ai rapidement créé mon activité, donc qui s'appelle ASEAN Sourcing. C'est une trading finalement dans l'industrie du meuble. Donc, j'ai créé ça avec 2 associés indonésiens et j'en suis aujourd'hui le managing director. Notre activité, c'est de sourcer des fournisseurs en Indonésie pour des sociétés étrangères qui souhaitent produire leurs produits ici sur le marché indonésien. Donc c'est finalement une étude de marché. Alors aujourd'hui, on travaille avec plus de 500 fournisseurs sur l'Indonésie. Donc c'est un peu plus facile, mais c'est finalement trouver le fournisseur qui va correspondre au cahier des charges, aux standards de qualité, aux délais de livraison souhaités par le client,
À partir du moment où on valide tout le process d'échantillonnage, de production en amont, on valide les commandes, on suit toute la production. Donc avec des inspecteurs qui sont dans les usines au quotidien et qui voilà, font du contrôle qualité jusqu'à l'expédition, chargement, l'expédition du container. Et on envoie principalement sur les États-Unis, la France et l'Allemagne. Arrivé en Indonésie un peu plus de 5 ans, où je suis arrivé tout seul, je me suis dit tiens, je ne connais personne, je vais regarder sur l'annuaire en ligne, justement s'il y a des anciens OSCE ici. Et j'ai retrouvé une personne qui était à Jakarta à l'époque, une personne à Bali. Donc j'ai contacté celui à Bali parce que c'est là où je venais m'installer. Et voilà, depuis c'est devenu un de mes meilleurs amis. J'ai été le témoin de son mariage cette année en Indonésie. Il sera témoin du mien l'année prochaine en France. Oui, un scooter et partir à l'aventure, se perdre un petit peu dans les villages. Je trouve que ça, c'est finalement la meilleure manière de découvrir Bali. Dès que tu sors un petit peu des endroits touristiques, tu te retrouves dans la campagne, vraiment authentique. Donc ça c'est sympa. Et puis à partir de là, finalement, tu découvres toute la magie des paysages de Bali, les rizières, les montagnes, les lacs. Donc ça, sympa. Et puis une petite descente de la rivière qui part justement du Mont Batur en rafting. Très sympa, pareil, pour découvrir les paysages. Traverser des villages un peu perdus, voilà. Ouvert d'esprit, multiculturel et dynamique. Privilégier la mission plutôt que le secteur d'activité ou l'entreprise en elle-même. Vraiment choisir la mission. Alors moi, j'étais plutôt tourné vers l'export. Donc. Finalement, c'était peut-être un peu plus facile. Je ne visais pas une industrie particulière. Donc voilà. Et puis, deuxième chose, j'aurais envie de conseiller de suivre, de vraiment de ne jamais baisser les bras. Et peu importe les expériences du quotidien, voilà, de persévérer. Dimana Kamarkechil.